Salut les... Non, pardon, un petit peu. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Black Desert Online. On va récupérer vite fait les récompenses du jour, hein, ou de je sais pas trop quoi, voilà. Voilà, si tu le dis, voilà. Ah oui, faut que je choisisse. Hop, voilà. Voilà. Livre de combat. Ok, si tu veux, vas-y, fais péter. Ok, bon voilà, du coup on a encore rempli notre inventaire à ras-bord, c'est génial, c'est la fête, c'est épique. Il va vraiment me falloir un coffre, hein, nom de Dieu. Hop, crac. Je suis dans un tas de choses encore. Je vais essayer de surentrer, comme ça gagne du temps. Voilà, bon on a gagné un petit peu de place. Nous sommes dans ce 8ème épisode donc toujours au niveau de cette ville. Il n'y aura pas plus normalement de 10 épisodes dans cette série. Et on s'en fait des choses par là. Nous avons quelques quêtes à réaliser. Ces quêtes étant pour commencer. Alors, déjà on va essayer de dézoomer un coup pour voir s'il n'y a pas autre chose qu'on n'a pas vu. Voilà, il y avait dans cette zone là-bas qu'on n'a pas fait de quêtes, c'est dommage. Du coup je pense qu'on va prendre Canasson, et plutôt même que de prendre Canasson, normalement, je crois que c'est à lui qu'on doit parler. Hein. Welcome. Et Curie, et je peux normalement inscrire. Comment je fais? Inscrire emblème, voilà, et normalement voilà, j'ai un cheval ici. Inscrire emblème, voilà, inscrire emblème, voilà. Voilà, veuillez saisir un nom, on va l'appeler. L'étalon. L'étalon. On va mettre même une majuscule, étalon. Je crois que c'est ça. Non. Ça? Non. Ça. Voilà. L'étalon. Crac. Non, le personnage invalide, j'ai vraiment pas de bol. Alors. Étalon, du coup. Étalon du cul. Étalon du cul te dit bonjour. Voilà. Pour ceux qui voient pas la référence. Ah, c'est parce qu'il y a cul. Étalon du bottom. Étalon du bottom. Ah mais merde. Bon bah étalon tout court, hein, tant pis. Hein. Oh, ça c'est une musique ça. Enfin, une note, des notes de musique. Une double. Étalon. Double croche, c'est ça, non? Étalon. La E ta long. Voilà. Putain mais c'est pas possible. Et ta long. Voilà. Là si tu veux pas. Voilà, c'est bon, groupe 3, sortir. Voilà, étalon est sorti. C'est pas étalon. Le voilà étalon. Étalon, je te grimpe dessus. Ok. Ok, d'accord, je vais comprendre comment il marche. Oh là là. Oh, ça va être rigolo. Non, c'est pas cette touche là qui m'intéresse. D'ailleurs, j'ai plus cette armure là. J'aimerais aller dans cette zone. Comment je fais? Double clic gauche, double clic droit, double clic droit. C'est parti, mon kiki. Pourquoi pas? Je vais bien le faire sprinter, le cheval, ou pas? Non? Oh, dis donc, avec cette musique complètement épique. Bon! Donc 8ème épisode, chers amis, on va continuer à faire un petit peu le début. Hein. Je vous rappelle que cette série découverte est faite pour vous présenter le jeu, pas forcément de la plus belle manière, mais de vous montrer le jeu à travers les yeux d'une personne qui est un néophyte. On voit beaucoup de vidéos découvertes sur des personnes qui se sont renseignées ou qui se sont aidées, entre guillemets si je puis dire. Hein. Bon bah là forcément ce ne sera vraiment pas le cas, c'est vraiment une découverte pour moi comme pour vous, vraiment.
Donc voilà. En tout cas, cette vidéo carte vous montre le début du jeu. Pourquoi je vous finis autre chose? C'est pas grave. Le début. C'est Averse qui s'arrête. Le début du jeu, de manière, on va dire, de manière, à travers les yeux d'un néophyte. Voilà, on va rester là-dessus, c'est très bien. Bon. On va être du roi, ok. Pousse-toi! Eh bien. Ok, ok, Toya! Toya! Boum! Vite, Toya. Je vais pas me mener de passer par là, effectivement. Hein. Oula! Oula! Ce serait-il qu'on serait au bon endroit? Ah, on s'arrête. On s'arrête. On descend. Je peux faire lever les pattes avant. Bonjour. Ok. S'il devrait passer plus tard. Donc, c'est pas par là. C'est vous suivre. Oh bah oui, là il y a du monde là. Oui! Hop. Raté! Voilà! Ça. Ah bah, c'est vraiment drôle. Voilà, mourrez tous. On peut tout récupérer. Hop. Un petit coffre ou c'est moi là? La clé se trouve peut-être par ici. Dommage, j'ai pas le temps de le finir. Une clé? Si tu me dis que la clé est dans le tas de feuilles, je ne te crois pas. Ah là, je me fais agresser de toutes parts. Si tu le dis. Hop. Ok, continuons. Casque de Reza. Ta vie. Hop. J'ai pas l'impression que je tue les bons. Ah non, j'ai vraiment pas l'impression que je tue les bons. Hein. Que là, rien de bien méchant. Meurs avec tes camarades. Bienvenue à la fête, camarade. Hop. Bon, il y a un tas de cadavres. Toujours pas ce que je recherche. Ah. Oh, il y a un mec sur une monture là-bas. Oh, canasson. Oula. Fait mal? Tu l'as senti passer celle-là? C'est toujours pas ce que je dois faire! Apparemment, j'ai réussi à faire un truc qui a plu à l'esprit. Pas à lui. C'est pas bon signe. C'est pas ce qui me semblait. Hop! J'ai tué les deux, d'accord, oui, d'accord. Faudra vraiment que je trouve une place pour méditer. Méditez vos péchés! Ok, quête. Créature d'horreur, au fait!
Est-ce que tu vois ces autres créatures tapis dans l'eau? Tu crois qu'on verra beaucoup au cours de notre traversée? Votre quête, vite. Capitaine de la garde d'Edel, faisons une pause. À partir de maintenant, le voyage sera rude. Par exemple, au sud, c'est vrai. Nous devrions rentrer à Edel pour le moment. Je dis ça dans notre propre... J'avais reçu une demande d'ami. Ok. Bonjour. Corgi. Ah, Corgi. Corgi qui doit jouer, j'imagine. I don't know. Faudrait que j'appelle l'esprit occulte, cela dit. Hein. Ah, un caillou. Je dois pouvoir monter sur le caillou et être suffisamment tranquille. Non, vous ne m'avez pas vu. Comment je fais pour m'accroupir? Faire ça comme ça. Donc l'esprit occulte. Apparemment accroupi, c'est être occupé. On retente notre chose. Hop. Merde. Laissez-moi tranquille. Putain, mais... Tranquillité! Ah, là. C'est un peu du monde. Celle-là, je l'ai lu, c'est bon. Et l'autre? L'âme du... Je sens que les joueurs sont du coup bizarres. Je pense qu'on aura du mal à les battre. Les familles m'ont dit que les instructeurs de compétences pouvaient nous apprendre de meilleurs coups. Allons voir ça. D'accord. Un autre? Ok. Je continue ce que j'ai à faire dans le coin. Il n'y en a pas un seul qui est coloré en bleu. Mais bon, on a vu un là-bas. Hop. Là, mouvez tout le sous là. Ok, casque d'Algérien. Je les vois pas mes casques, ça vaut pas la peine. Yo, l'ami! Hop! Boum! Dis-moi que je t'ai. Ah, j'ai pas eu l'autre! Ok, c'est bon. Quoi d'autre? Là-bas, il y a un grand monsieur que je dois aller buter. J'y vais de ce pas, on y va. En espérant qu'on ne soit pas agressé par trop de monde d'un seul coup, parce que je pense pas qu'on va pouvoir réussir à tenir. J'ai rien dit. Hop. Le mob bashing de la mort. Recouvert de sang, littéralement. Hop. Oh là là, la boucherie que ça a été, quoi. Hop. C'est con parce que j'ai contourné un loulou tout à l'heure et je l'ai perdu, je l'ai pas vu en combat. C'est quoi là-bas? Ah, mais non, pas encore! Hop, j'en vois un là-bas. Allons voir. Hop, c'est bon, on l'a eu. Boum. C'est fait. Ok, ça aussi. Donc ça, c'est bon. Vraiment que j'ouvre la map pour voir ce qu'il me reste. Hop, map. Qu'est-ce qu'il me reste dans la zone?
Récupérer les arcs et les protège-chevilles. Oh la vache. J'ai rien vu de tout ça. Où est-ce qu'elle est là-dedans, la quête? Merde. J'ai pas vu tout ça. Alors je tue encore plein de gens. Salut les filles. La forme. Boum. Ça s'est fait aussi. Voilà, je peux récupérer. Ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est parce que je pète pas tout ce qu'il faut. Hop. J'aurais oublié de repop celui-là. Tiens, viens voir. Ah merde, je peux pas le prendre. Vraiment, je peux pas le prendre. Merde. Fais que ça. Boum. Deux en effet. Ah, je me fais caillasser. Hop, c'est bon. Mais merde. Laissez-moi tranquille, bon Dieu. De quête accomplie, génial. Et on est niveau 21, ça c'est cool. Un caillou pour les gouverner tous. Ou alors je vais dans le champ. Je vais dans le champ, ça vaudra peut-être mieux. Non, il y a du monde dans le champ aussi. Et sur la route, je risque pas de me faire agresser normalement. Non, ça. Ça va? Oui, t'inquiète pas, j'ai entendu l'ami. Je t'appelle. Hop, voilà. C'est bon. Oh, mais merde! Non, c'est bon. Non? Ah, il faut que je termine la quête et que je réclame un truc. Boucle d'oreille de Yuria. Non. Bague. Bon, écoute, je récupère ça. Ah, je m'en doutais que t'allais me dire ça. Je m'en doutais tellement que t'allais me dire ça. Ouais, j'en ai 203. Ah, oui, combien? Je suis balèze. Hop, ok. On va partir là-dessus. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ok. Hop. C'est parti. Et donc, on a dit la pierre. Hein. Parce que pierre, voilà. Champion d'Argenta. Ok. Eh ben, c'est un coop, le capitaine Ifrit de l'hôtel Angers. Ah, les humains ne sont pas les seuls à prendre des décisions imprudentes. Beg, l'ancien chef des Ifrit, a traité d'abandonner sa tribu. En conséquence, son peuple est emprisonné dans l'hôtel du magicien et lui a depuis attribué le surnom de dégradant de Beg le lâche. Oh, boum, dans ta gueule. Qu'en dis-tu? Bah écoute, on va aller le poutrer. Retour à Edel. Nous avons fini de demander à l'hôtel. Retour à Edel, d'accord, on ira tout à l'heure, hein. Aussi. Glitch. Je perçois beaucoup de pensées dans ton esprit sur l'amitié, sur l'honneur, sur l'argent. Pourquoi est-ce que tu penses à l'argent? Ça se mange? Enfin, tous tes désirs nécessitent d'interagir avec d'autres gens, n'est-ce pas? Alors suis-moi, je connais la ville parfaite pour toi. Une ville remplie de tout ce dont tu as besoin. D'accord. Ouais, soit tu parles comme ça. Ok, on a tout. On a tout. La map. Il va falloir qu'on achète notre canasson, cela dit. Hein. Ça m'inquiète. Cette histoire de canasson, ça m'inquiète. Ok, on va passer de l'autre côté. On va passer à travers champ, même, je dirais. On va ranger notre armement. Accélérer. Il y avait un passage, Marcus. Il y avait un passage. Ok. Ah.
l'âme de Xarka. D'accord. If you say so. Où qu'il est, mon canasson? Étalon! C'est pas que je me rappelle pas, hein. Ça, je l'ai passé, c'est certain. C'est que je crois qu'il a disparu ou qu'il s'est fait bouffer, le pauvre. Étalon? Merde. Oh merde. Qu'est-ce qui arrive à mon cheval? Merde. Je sais pas ce que j'ai fait de mon cheval. Je sais pas ce que j'ai fait du cheval. Catastrophe. Monture, y'a pas ça quelque part là-dedans? Beauté, colorant, combiné, guide, composant. C'est plus d'inventaire, mesure, animal de compagnie. Animal de compagnie, non, ça peut être ça. Non. C'est pas ça. Bon. Information, connaissance. Ami, marché, information, rond de guide. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon cheval? Qu'est-ce que j'ai fait de mon cheval? Permettez que je monte. Salut les filles. J'arrive, hein. Je reviens dans 2 minutes. Et puis je vais me taper. Oh merde. Oh, bonjour. Putain. C'est qui tape dur, hein? Hop, voilà, merci de repasser plus tard. Hop, c'est fait. Get wrecked. Oh, faut que je passe par l'extérieur. Oh, c'est stylé. Oh. Oh, c'est tellement bien fait. Des choses que tu ne peux pas faire dans vous, ça. Bonjour. Il y a des effets que des souris. Ah merde, c'est un gamin. C'est point de compétence de combat venu sur un gamin, génial. Monture utilisation, bah écoute, je veux bien faire de cette échelle ma monture, j'espère qu'elle m'emmènera loin. Effectivement, ce n'est pas mal. Ok, viens des filles. Ah, je crois que j'allais tous les avoir. Hop. Voilà. Continue. Bonjour. C'est un loup ou c'est une autre bestiole? C'est quoi le fait que je doive grimper à ce point? Oh. Serais-tu un enquêteur captif? Te voilà libre. Au revoir. Oh mon dieu, je peux encore monter. Ah putain, c'est vide. Peut-être que la clé n'est pas loin. Hop, ça c'est fait. Oh putain. Il va y avoir un décès. Non! J'ai survécu! Au du cul! Je sais pas si ce que je fais est utile, j'ai pas de clé, fais chier. Merde, il est pas tombé le bonhomme. Enfin, je ne le vois plus. Oh putain, ça fait 2 fois que je crois au suicide. Et croyez-moi, ça ne fait pas plaisir. Ok, c'est bon. Et continuez par là. Non, je peux pas. Oh, bah, tant pis. On passe par là. Ah bonjour! Faut que je casse ça, non, faut que je lui parle. Bonjour, statue du dragon noir. Cette statue ressemble à un dragon. Dragon CD. What? Un hôtel de magicien grandissant.
Un dragon noir scellé. Existait-il vraiment? Je sens un grand pouvoir ici! Une voix inconnue crie en passant au-dessus. L'illusion de l'esprit occulte. Un sacrifice d'un royaume. Enfin, j'ai pas le temps de dire. Une civilisation disparue. L'éveillé. La volonté des sages. Quelqu'un essaie de transmettre quelque chose au travers de ce message. Il a changé encore de forme. Je sais qui l'a scellé. J'existe dans ce monde depuis la nuit des temps. Et maintenant, je vais récupérer mon pouvoir perdu à travers toi. Oula, tu deviens un petit peu maléfique. Qui suis-je? Pourquoi me suis-tu? Pour te bouffer. Hé, hey, maintenant tu veux récupérer ta mémoire? Tu veux savoir ce que tu faisais avant moi? Oui, je fabriquais des chaussures dans une usine Adidas. As-tu vraiment oublié notre contrat? Jusqu'à ce que notre aventure se termine? Tes souvenirs marqués, n'as-tu oublié? Oh la vache. Ah, il devient méchant d'un seul coup là, hein. Je veux pas dire, mais... J'ai connu des choses plus gentilles, hein. Je rêve ou il a pris une... Non, je crois qu'il avait pris de la couleur. Ça doit être par rapport à une torche ou quelque chose comme ça. Ok, on y va. Ah bah non, là, il a plus sa forme bizarre. Ok, quoi, la statue a bougé? Tu veux dire qu'elle est en vie? Impossible. D'accord. Okay. Comment je descends, moi? Oh! Oh! What? Je vais monter encore plus haut. C'est pas la meilleure des idées que j'ai eues, hein. Statue de lion brisé. Statue de pierre. Regardez de plus près. C'était cassé, vous ne voyez donc pas clairement la phrase inscrite. Vous feriez mieux d'inspecter une autre statue. What? T'es sérieux là quand tu me dis ça ou c'est. C'est pour blaguer? Entend un lion. D'accord. Bah, y a pas d'inscription là. Forcément. Bon, bah, vous savez quoi faire, hein. Ouh, tellement de talent. Ou tellement peu, ça dépend. Ok, on va reprendre l'échelle, hein. Oh, l'échelle, oh. S'il te plaît, merci. Passe à travers, merci, voilà. C'est bon. 96% de mon poids est porté, c'est pas bon signe. À la fois trop riche et trop fort. Mais putain, mais ça fait deux fois que je fais le sprint. Mais en fait, il lance pas l'animation du sprint. Ah, allez, non, il y a une. Allez, voilà, il y a une échelle devant toi. Tu le sais bien, ça fait la troisième fois que tu montes dessus. Fais pas genre. Ah, je pense que c'est ça qu'il faut faire, non enfin... Mais merde, ça va finir par être un suicide. À moins que si je peux descendre, remarque. Oh! Oh, mais putain! Oh. Tu vois bien l'échelle, tu peux quand même te rattraper à l'échelle, abruti! Oh là là là. Toi qui pensais que ça passerait crème. Yeah! Tu es libre de tomber par terre. Ok, c'est bon. Hop, ça aussi c'est bon. Oh les filles, je vous trouve marteau! Oh les filles, oh les filles! Oh je vous aime! Oh parfait. Ensuite, les petits! Vous m'avez manqué, mon petit! Voilà! Bonne chose de faire. Bon! Ok, je sais pas ce qui est arrivé à Canasou, honnêtement. Enfin, à Étalon. Hey, Étalon! Ok. Oh, on y va, hein. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, c'est pas le bon bouton. Hop, Marcus. Je fais pas le combat. Ok, voilà.
Et nous allons nous laisser là pour cet épisode, les amis. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Passez le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Moi, je vous retrouve directement sur place la prochaine fois. C'est pour ça que je vais pas faire d'ellipses, pardon. Profiter un petit peu de tout ça pour prendre un petit peu de temps. Voilà. A tout à l'heure. Enfin, à plus. Salut.